Hey, comment ça va tout le monde sur le campus de la Solcy Academy? Vous allez bien? Ça va tout le monde? Alright, allez rentrer. Bonjour Blobby Blob. Ça me rappelle un très très bon jeu, exceptionnel, qui s'appelait Blobby Volley. Exceptionnel. Oui, c'est de là qu'il vient mon pseudo, je t'aime. Ah ouais, je connais bien Blobby Volley. Il y avait un exceptionnel site avant qui s'appelait Globulos. Putain, on y avait joué, je crois, une fois en live. Je crois que le site existe toujours, quoi. J'avais même pris des skins. C'était bon l'époque des jeux flash et tout, quoi. Vous avez connu un peu les jeux flash ou pas? Ou genre, voilà, quoi. Parce que là, vous êtes arrivés, vous, il y a déjà. Moi, j'ai Clash Royale. Armor Games. Armor Games! Putain, mais carrément, avec tous les jeux de trial et tout, c'est. T'as connu Happy Tree Friends? Je connais pas. Bonjour, c'est Scatre. Merde. J'ai reconnu ta voix. Merde. Un kids et un sûrement dans le babyfoot en face de toi. Nice. Et le dernier est à côté de Diffuse. Viens, on y va tous les deux. J'y vais en premier, tu joues la revenge. À gauche. Vas-y, go, va niquer. Arabe. Non. La mort, ok, mais. What? C'est quoi ça? Tu connais pas la mort ou tchétché? Tu connais pas l'histoire du. Ah non, je connais pas, visiblement, non? J'ai pas du tout la ref là. Pour avoir profané territoire sacré, châtiment exemplaire. Chef. Toi, taire ta gueule. Toi, choisir mort ou tchétché. C'est quoi, tchétché? Tchétché. Être tchétché. Alors. Hey, j'ai jamais entendu parler de ça. Hein. Tchétché, c'est une ensilade au sens propre. C'est quoi une ensilade? J'ai jamais entendu parler de ça. Qui? Mais comment vous savez tous ça en fait? C'est vieux. Bah ouais, je vois ça, mon gars. Le truc, c'est en 4x3 au niveau des pixels, quoi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça m'a fait. J'ai regardé à droite. Planting. Okay, right here. She's watching the stairs. No, not planting Abana's anymore. I got it. Time expires in 10 seconds. Habana's pushing in. Habana's pushing B. 5 seconds. Nice, bros. Can you main? J'adore ce jeu. Nice. Switch issue. Slash, Widow. C'est rentré. Pour toi. Où ça? Top 4, last operator standing. Nice. Bon, parlons maintenant de choses intéressantes et intelligentes. Oula, j'ai peur. Que penses-tu de la femme qui a gagné plus de 50 000 dollars en vendant ses pets dans des bocaux? What? Non, mais là, c'est horrible. Parce que dans ce genre de confrontation, dans ce genre de questionnement, il y a toujours deux trucs, tu vois. Il y a une partie de moi qui me dit, je suis sur Twitch.
Donc je devrais dire un truc du genre, normalement, elle fait ce qu'elle veut, s'il y a des gens assez bêtes pour les acheter, eh ben qu'ils se fassent kiffer, franchement, qui suis-je pour juger, franchement, si elle a envie de péter ou de chier dans des bocaux et de les envoyer pour 50 000 $, l'important c'est qu'elle se fasse de l'argent. Voilà, ça c'est à peu près le truc que je devrais dire, et le truc que j'ai envie de dire, profondément ancré en tant que, au fond de moi-même, c'est de dire, bah c'est de la merde, et plus ça va, et plus c'est de la merde, et plus ça va, plus ce genre de truc-là me donne envie de tout arrêter, de me et d'aller tondre des moutons dans le Vercors, quoi. Hello there. Dead. Hello fucking dumbass. C'est quoi le truc le pire que votre streamer pourrait faire pour vous? Et vous vous dites, le jour où il fait ça, je me unfollow. Trash talk Naruto. Naruto, c'est quoi? C'est la... C'est One Piece de Wish, là? Je suis pas du tout dans le jugement. Hein. Y'a quoi d'autre? What? Mais meurs! J'aimerais tant avoir ton palmarès, ton talent, ta prestance, ton aura, ton charisme. Alors que moi, j'aimerais juste avoir ton prime. Donc vous avez dit quoi? Quel est le truc que vous apprendriez que votre streamer fait? Il change complètement de jeu. Un jeu que j'aime pas. Bah alors, je croyais que l'important c'était qu'il kiffe. Nah, je rigole. Moi non plus, j'ai pas envie de voir Zinedine Zidane faire du curling. Hein. Attention, je vous demande. Oh, c'est une Kali. What? Elle vient me jouer? Mais c'est la deuxième fois qu'il sponge, lui! Mais ça va? Après, j'imagine que les gens regardent des streamers pour des raisons différentes, soit la personnalité du streamer, soit pour le jeu. Ça doit dépendre de la situation où tu découvres la personne. Bah, c'est sûr que si c'est du just chatting, tu le fais pas pour le jeu, quoi. Alors, si c'est soit des bouses, soit des cheaters, soit des mecs qui ping abusent. Ouais, faut pas déconner quand même. Franchement, ça c'est valable pour tout, quoi. Valorant, c'est soit des bouses, soit des cheaters, soit des mecs qui ping abusent. Voilà, et c'est pas du tout vrai au final. Le truc, c'est que même moi, le premier, il y a tellement de trucs qui énervent sur R6 que forcément, c'est devenu. Le jeu a le dos assez large. En même temps, Ubi a vraiment fait de la merde sur pas mal de points avec le jeu et par rapport à beaucoup de choix qu'ils ont fait. Ils ont fait aussi des trucs très bien. Hein. Même, tu vois, des trucs du genre les NFT, machin, c'est le genre de trucs. Je sais pas si vous avez vu, Riot en a parlé. Ils ont dit, ouais, non, nous, pas de ça chez nous, tu vois. Mon dieu, la perspective, parfois, c'est dégueu. Ouais, grave. Hein. Moi, parfois, avec la perspective, j'ai l'impression d'avoir une grosse...